Bonjour tout le monde. Hello everyone. Over the past few months, we've introduced programs that are making a real difference in the lives of millions of people right across the country. Take the Rose and Crown Pub in Canmore, Alberta. As they were getting ready to welcome customers again, they used the wage subsidy to rehire 15 employees. And they got a loan through the Canada Emergency Business Account so they could buy personal protective equipment, plexiglass screens, and additional hand-washing stations to comply with public health guidelines. That's good news for people who are now back on the job and for locals who missed their favorite neighbourhood spot. When this crisis first began, a lot of people lost their jobs overnight. They didn't know how they were going to feed their families or pay their bills. So our government responded rapidly and substantially to support Canadians with programs like the Canada Emergency Response Benefit and the Canada Emergency Wage Subsidy. 3 months later, we're beginning to see across the country that we're now in a place where we're gradually and safely starting to reopen parts of the economy. But I'm not going to sugarcoat it. We still have a long journey ahead. Some sectors will bounce back more quickly than others. Many workers will be able to find work, but others won't. Over the past few months, Canadians have been able to count on the Canada Emergency Response Benefit to help them get through a tough time. And the reality is that even as we start to reopen, a lot of people still need this support to pay their bills while they look for work. That's why today, I am announcing that we will be extending eligibility for the CERB by 8 weeks. So if you've been getting the CERB and you still can't work because you're unable to find a job or it's just not possible, you will keep getting that $2,000 a month. Over the next few weeks, our government will look at international best practices and monitor the economy and the progression of the virus to see what changes, if any, need to be made to the program so that more people are properly supported. But I want to be very clear with Canadians. Our goal here is to make sure that the CERB is working for you in the best way possible. Our government will continue to be there for you. This pandemic is an unprecedented challenge for our country, and we're going to make sure that all of our supports, including the Canada Emergency Wage Subsidy and employment insurance, are working effectively to get Canadians back on their feet. That's also a big part of the reason why I proposed to give the provinces and territories $14 billion to make sure that you have childcare, that there's testing and tracing, and that your workplace is safe. As the situation evolves, so too must our response evolve with it. And that's what we're going to keep doing. Dès le début de la crise, notre gouvernement a agi rapidement et de façon considérée pour appuyer les Canadiens avec des programmes comme la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale d'urgence. 3 mois plus tard, on est maintenant en mesure de commencer à rouvrir graduellement et prudemment l'économie, en partie parce que des entreprises utilisent des programmes comme la subvention salariale d'urgence. Mais je vais être honnête avec vous, on a beaucoup de chemin encore à parcourir au cours des prochains mois. Certains secteurs vont rebondir plus rapidement que d'autres. Beaucoup de gens vont trouver du travail, mais ce ne sera pas tout le monde. Au cours des derniers mois, les Canadiens ont pu compter sur la prestation canadienne d'urgence pour les aider à traverser des moments difficiles. Et la réalité, c'est que même si on reprend certaines activités, beaucoup de gens ont encore besoin de ce soutien pour payer leurs factures pendant qu'ils cherchent du travail. C'est donc pourquoi, aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger la période d'admissibilité pour la prestation d'urgence d'un autre 8 semaines. Ça veut dire que si vous touchez la PCU et que vous ne pouvez pas retourner travailler parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail ou que ce n'est pas possible en ce moment, vous allez continuer de recevoir votre 2 000 $ par mois. Au cours des prochaines semaines, notre gouvernement va étudier les meilleures pratiques internationales, en plus de surveiller l'économie et la progression du virus, pour déterminer si on doit apporter des changements au programme pour mieux soutenir des gens. Mais je veux être très clair avec les Canadiens. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la PCU fonctionne pour vous. Notre gouvernement va continuer d'être là pour vous. La pandémie représente un défi sans précédent pour notre pays
Et on va s'assurer que tous les soutiens, y compris la subvention salariale d'urgence et l'assurance emploi, se complètent pour aider les Canadiens à se remettre sur pied. On veut vous donner le soutien que vous méritez pendant cette période mouvementée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé de donner aux provinces et aux territoires 14 milliards de dollars pour que vous ayez des services de garde de qualité, qu'on augmente le dépistage et la recherche des contacts et que vous puissiez retourner travailler en toute sécurité. La situation continue d'évoluer et notre réponse doit évoluer avec elle. Et c'est ce que notre gouvernement va continuer de faire. I want to close this morning with some news regarding the Canada-U.S. border. I can now confirm that Canada and the United States have once again agreed to extend by 30 days until July 21st the current measures in place along our border. This is an important decision that will keep people in both of our countries safe. Je veux terminer ce matin avec des nouvelles concernant la frontière canado-américaine. Je peux maintenant confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger de 30 jours jusqu'au 21 juillet les mesures frontalières qui sont actuellement en place. C'est une décision qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière alors qu'on continue la lutte contre COVID-19.